La liberté et l'écologie, pour moi, elles sont fondamentalement liées. Elles font cause commune et l'une n'a pas lieu sans l'autre. Tout d'abord, s'il n'y a pas d'écologie, il y a des tonnes de libertés qui sont privées parce que ça implique la réduction des libertés d'accès aux ressources, d'accès à l'eau, la liberté de voyage aussi. Ça va poser plein de problèmes de conflits et tout ça qui forcément pose des problèmes au niveau des libertés. Et plus on avancera dans une crise, plus il y aura, enfin c'est pas ce que je souhaite, mais ça risque d'arriver, des régimes autoritaires et voilà. Ensuite, je pense que l'écologie est également dépendante de la liberté, parce que sans liberté, l'écologie c'est la liberté en fait, c'est la liberté d'agir autrement, d'inventer autre chose, de construire un autre système durable et la liberté de vivre aussi tout simplement. Même dans notre militantisme, c'est étroitement lié parce qu'on est toujours confronté à une certaine répression. Quand on milite pour l'écologie, donc forcément la liberté joue à côté. C'est toujours intimement lié.